Les dirigeants européens sont finalement parvenus à un accord autour des exigences de réforme de l'Union de David Cameron, le Premier ministre britannique. L'accord a été décroché avant le référendum prévu en Grande-Bretagne, un scrutin au cours duquel les électeurs de la couronne britannique se prononceront sur leur souhait ou non de rester dans le giron européen. C'est à Bruxelles, après 2 jours et 2 nuits d'intenses négociations, que l'accord sur les 4 objectifs proposés par David Cameron a été obtenu. Il comprend entre autres l'imposition de limites provisoires sur les prestations sociales pour les migrants européens présents au Royaume-Uni. Le chef du gouvernement britannique présidera une réunion ministérielle ce samedi, alors qu'il s'apprête à faire accepter ce processus aux citoyens par voie de référendum prévu le 23 juin. Ce sera la seconde fois en seulement 30 ans que Londres consulte sa population par un tel moyen sur le sujet de son appartenance à l'Europe. En juin 1975, un peu plus de 67% des électeurs s'étaient prononcés pour le rattachement à la communauté économique européenne. Mais depuis, cette question fait toujours l'objet de débats enflammés. Nous venons d'obtenir un accord qui renforce le statut particulier de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Il scelle de façon légale une décision irréversible de l'ensemble des 28 dirigeants. Le règlement répond à toutes les inquiétudes du Premier ministre Cameron sans compromettre nos valeurs fondamentales. Demain, je présenterai cet accord au cabinet et lundi, je ferai un discours au Parlement et débuterai le processus, en vertu de notre loi référendaire européenne, de tenir un référendum sur la question de l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. Le peuple britannique doit maintenant décider s'il veut rester dans cette Union européenne réformée ou en partir. Ce moment qui n'arrive qu'une fois marquera la destinée de notre pays. Ces pays qui souhaitent intégrer davantage leur économie seront capables de le faire. Nul ne peut les en empêcher. L'accord d'aujourd'hui ne fait planer aucun doute sur le fait que l'euro est la monnaie de notre Union et sur la poursuite du renforcement de notre Union économique et monétaire.